pour ce nouveau solifère, pour la rentrée, alors j'ai décidé de vous montrer une œuvre et j'étais assez surprise de ne pas y avoir pensé avant. Une œuvre que tout simplement j'adore, qui se trouve à deux endroits différents, parce que vous avez la réplique qui se trouve aujourd'hui eh bien, dans son univers d'origine, c'est-à-dire dans les jardins du château de Versailles. Donc, premier indice, c'est un groupe sculpté. C'est une réplique dont l'original se trouve aujourd'hui au Louvre. Et c'est une œuvre qui est vraiment caractéristique de l'art, de la sculpture avec un artiste avec un tempérament très fort du XVIIe siècle. C'est une œuvre sculptée qui est vraiment étonnante pour la thématique qui a été choisie, pour la modernité qu'elle va représenter et également pour un artiste qui va apporter un nouveau style artistique à cette époque-là. Alors l'œuvre, si vous connaissez un petit peu les jardins de Versailles, l'œuvre c'est celle-ci. Elle se trouve à l'entrée, donc on dit soit le tapis vert, soit l'allée royale. Elle se trouve à l'entrée ici et c'est donc le Milon de Crotone de Pierre Puget. Alors c'est une œuvre qui va être faite, on le verra un petit peu après, mais qui va commencer en 1671 et qui sera achevée en 1682. Donc c'est un long travail pour le sculpteur. Et la thématique qui a été choisie, c'est la représentation d'un athlète antique qui est vraiment un très grand vainqueur des Olympiades. Hein. C'est une multitude de jeux athlétiques à l'époque de l'Antiquité. Il a fait les Jeux Pythiques, il a fait les Jeux Néméens, il a fait les Jeux Olympiques. Donc il était vraiment connu pour sa force et avec une très grande gloire. Mais le moment de sa vie qui est représenté ici, eh bien, c'est le moment de sa mort. Donc ça peut paraître, c'est ça qui est étonnant. Et donc dans les récits, ça nous raconte que Milon de Crotone, se promenant dans les bois, voit un tronc et est persuadé qu'il va pouvoir le fendre juste avec la force de la tranche de la main. Et eh bien c'est raté, il a surestimé son énergie et sa force et sa puissance puisqu'il se retrouve la main coincée dans le tronc de l'arbre. Et la légende raconte qu'il est dévoré par un loup. Alors bien sûr, nous nous trouvons dans les jardins du château de Versailles. Donc pour les jardins du roi Soleil, on ne va pas choisir un loup, mais plutôt un lion, qui est un animal beaucoup plus noble. Donc cette œuvre, elle est vraiment très importante. Et pour moi, c'est vraiment à Versailles que je l'ai rencontrée et que j'ai eu une vraie prise de conscience et une confrontation physique à cette œuvre. Donc je voulais vraiment vous la montrer. D'abord dans son contexte, et on reviendra d'ailleurs, elle soulève des interrogations par cette thématique placée en plus dans les jardins du roi. Alors l'œuvre, on la trouve aujourd'hui, l'originale, hein, elle a été protégée, elle a été déplacée au début du XIXe siècle au musée du Louvre. Elle est magnifiquement mise en valeur dans la cour Puget, donc on voit à quel point Pierre Puget est un artiste vraiment incontournable de son époque. Et en plus, ce que je trouve très intéressant, c'est que l'œuvre étant placée à l'origine en extérieur, il y avait tout un jeu de luminosité qui venait faire ressortir les creux et les pleins et créer des jeux d'ombre et de lumière. Et grâce à cette magnifique lumière zénithale de la cour Puget, eh bien, bien sûr, on va retrouver ces mêmes jeux quand on peut l'observer. Alors, ce qui est assez étonnant aussi, c'est la manière dont la commande se met en place. Nous partons du côté de l'artiste, de Pierre Puget. Donc, nous partons à Marseille, c'est un artiste marseillais qui a eu une carrière, donc il s'est formé avec un charpentier en marine et c'est de la sculpture sur bois, il va être repéré, il fait déjà des commandes et au moment où l'œuvre va commencer sa réalisation, eh bien il est à l'arsenal de Toulon et il est responsable de l'équipe des décorateurs des navires pour la flotte royale. Ce qui est assez intéressant, c'est que dans l'arsenal, il va voir trois blocs qui sont inutilisés. Donc, il y a trois œuvres qui vont en découler, dont le Milon de Crotone. Et il va demander l'autorisation à Colbert d'utiliser ces blocs. Et pour pouvoir justifier sa demande, ce qu'il fait, c'est qu'il va également fournir un dessin. Et le dessin, le voici. Où on reconnaît le personnage vraiment dans sa torsion, dans l'expression. Le tronc, on le devine ici. On devine presque la bête, qui est quand même assez floue, avec la patte ici qui ressort. Donc le dessin est présenté à l'administration royale et sera validé. Ça, pour l'époque, c'est vraiment étonnant. Pierre Puget, c'est déjà un très fort caractère, hein, c'est un tempérament qui va vraiment s'imposer,
Mais surtout, à l'époque, les sculpteurs qui vont travailler pour le roi, ce sont des sculpteurs qui font partie d'un cercle, et notamment qui font partie de l'académie. Et surtout, vous avez le grand chef, le maître en décoration de Versailles, c'est Charles Le Brun. Et en règle générale, quand des commandes sont passées, que ce soit pour des décorations intérieures ou encore pour des sculptures dans les jardins, ce sont des modèles de Charles Le Brun qui sont donnés. Alors ici, on est face à un artiste qui fait d'un, pas du tout partie de ce cercle autour de Louis XIV, et de deux, c'est un artiste qui va avoir une liberté totale, ce qui montre vraiment une confiance qu'on lui fait pour choisir sa thématique, présenter un dessin, le dessin est validé, et ensuite, il va pouvoir sculpter dans du marbre de Carrare. Et ça montre encore une fois la confiance qu'on va lui donner et l'intérêt qu'on a pour son travail artistique, parce que c'est un marbre qui est très cher. Et donc, c'est un marbre où on sélectionne vraiment les œuvres. Alors, Milan Croton, ça fait vraiment partie des chefs-d'œuvre de Pierre Puget, et c'est vraiment ce qu'on appelle une ronde bosse. Autant à Versailles, c'est difficile de tourner autour parce qu'elle est positionnée à l'entrée de l'allée royale, mais surtout, elle est placée devant une clôture végétale. Donc, c'est très difficile de tourner autour. Au Louvre, avec l'original, on peut. Et là, on va voir toutes les grandes caractéristiques du travail de Puget. Premièrement, c'est l'expression qui est importante. On est face à un homme qui est en pleine souffrance, qui est en train de dévorer, hein, qui est en train de réaliser qu'il vit ses derniers instants. Et vraiment, Pierre Puget va accentuer, va théâtraliser cette souffrance. Et c'est grâce à sa connaissance de l'anatomie qu'il va pouvoir faire ressortir cette souffrance. Donc, c'est une manière de montrer aussi eh bien, sa connaissance et sa maîtrise technique. Regardez, quand on voit ce groupe sculpté, quand on voit cette œuvre, on a une crispation dans les orteils, on a tout ce corps galbé, sculpté, qui est complètement en tension, on voit les veines ressortir sur les bras, sur les jambes, et puis on a ce visage extrêmement expressif où on pourrait même sentir, pas forcément, mais en tout cas, entendre le cri de souffrance de Milon de Croton. Et même sur la partie du dos, on va voir tout ce corps travaillé qui nous permet aussi de reconnaître que c'est un athlète. D'ailleurs, autre petit détail, c'est que vous avez ici une coupe qui est posée au sol et c'est la coupe qui est donnée en cadeau des victoires à ces Jeux, dont Milon de Croton va être un vainqueur à moult, moult reprises. Et puis, on va avoir un côté très naturaliste aussi. Alors, même si le lion peut avoir une position un peu étrange, on y reviendra. Mais dans le traitement de l'anatomie, même du bestiaire, avec la patte, les poils, ou encore la crinière ici, la manière dont le corps est représenté vraiment dans son naturel, dans son plus simple appareil, puisqu'il est nu, et également aussi sur le tronc. Donc, on a l'expression, le côté théâtralisé, dramatique, on va avoir cet aspect naturel. Et autre chose aussi, c'est qu'on a un art du mouvement, c'est-à-dire qu'on a une composition en zigzag. Et on a la tête qui donne un mouvement, donc une ligne conductrice, et qui va construire aussi l'œuvre. On va avoir une deuxième ligne qui est donnée avec le buste, une autre ligne qui est donnée avec la jambe. Et même le sol, on voit que le sol est un peu en pente, donc ça note une autre ligne. Donc on a tout un zigzag qui va mettre en tension et en mouvement cette œuvre. Et ça, c'est vraiment caractéristique de Puget, mais surtout, ça va montrer son talent et son génie créateur, parce qu'il va falloir jouer avec l'équilibre et le poids de la pierre. C'est-à-dire que Pierre Puget, ce qu'il va faire, c'est qu'il va évider l'intérieur de son bloc, qui se trouvait ici, puisqu'on voit bien hein, le bloc. Là, on voit vraiment le contour, on le devine. Il va évider le creux du bloc. Il va venir placer ses figures, mais il va surtout devoir jouer avec les lois de la gravité, les lois de l'équilibre, pour pas que le marbre bascule et tombe. Donc, il y a tout un système avec le corps qui est retenu grâce à un contrepoids qui est le lion. Et là, on comprend pourquoi le lion a cette position sur l'arrière, parce que ça permet de tenir le bloc, et un autre contrepoids qui se joue ici avec le tronc et le drapé. Donc il y a tout un jeu de composition dans le style artistique, mais aussi dans la maîtrise de la taille du marbre et du poids du marbre.
Alors, c'est une œuvre qui est complètement moderne. On n'a pas vu ça à l'époque, parce que si on compare plutôt avec le style vraiment Louis XIV, le style classique, si on part du côté de François Girardon, qui va participer avec Thomas Renaudin, eh bien, à la réalisation d'Apollon servi par les nymphes, on voit qu'on a plus de retenue, moins d'expression. Et puis surtout, Girardon, c'est le sculpteur de Louis XIV, hein. Il est académicien, il va répondre à des très grandes demandes. Et donc, il correspond exactement au style académique de l'époque. Et il y a cette référence antique qui est la référence incontournable. C'est vraiment le modèle absolu qu'on retrouve ici dans cette composition. Et c'est vrai, quand on voit les deux œuvres côte à côte, il y a vraiment un décalage. Il y a quelque chose de très différent dans l'expression. Eh bien, tout simplement, Pierre Puget, je vous l'ai dit, il est de Marseille. Il va vivre entre la France et l'Italie. Il va travailler en Italie et il va non pas s'inspirer vraiment de l'Antiquité, mais d'autres grands maîtres. Le premier, l'incontournable, Michel-Ange avec l'esclave rebelle, ou c'est plutôt Michel-Ange dans son côté vraiment artistique, avec le travail du corps, de l'expression jusqu'à la déformation, et des compositions assez intéressantes. Et un autre artiste qui est plus du temps, qui est déjà un artiste confirmé à l'époque de Pierre Puget, eh bien c'est Le Bernin. Et Le Bernin, c'est l'art italien, mais c'est l'art baroque. C'est le théâtral, c'est la torsion, c'est la mise en mouvement. Et regardez ici, avec cet enlèvement de Proserpine par Pluton, on va retrouver cette spirale, on retrouve cette théâtralité, cette expressivité poussée à l'extrême. Et on voit même ici au niveau de la cuisse de Proserpine, on a cette même expression ici au niveau de la griffe, de la patte et des griffes du lion qui s'enfoncent dans la chair de Mélanchthon. On va voir cette force. Et on comprend aussi à quel point c'est violent ou encore c'est un rapt, donc il la maintient avec beaucoup d'énergie et beaucoup de force. Donc c'est vraiment ce qui va influencer. Et Pierre Puget est le premier artiste à amener ce style baroque en France, à amener cette expressivité. D'ailleurs, le roi, on voit, il y a 11 ans de travail, c'est assez long. Le roi va apparemment, dans un premier temps, être assez douteux, il n'est pas sûr de vouloir garder l'œuvre. Il va au final décider de la conserver parce qu'elle est pleine de fous, parce qu'on est face à un roi qui est mécène, à un roi qui est protecteur des arts. Donc il va vraiment la garder et c'est sous le conseil de Charles le Brun qu'il décide donc de placer l'œuvre ici à l'entrée de cette allée royale. Donc le Milan de Crotone se trouve ici. Pierre Puget, ce n'est pas sa seule réalisation royale. D'ailleurs, en miroir, vous avez de l'autre côté. Eh bien, Persée et Andromède, qui sont également des réalisations, on voit vraiment des liens parce qu'on a encore cette composition en zigzag, on a cette torsion, on a cette théâtralité. Mais ce qui est très déroutant par rapport au Milon de Crotone, c'est que la thématique, ce sont vraiment les limites et le côté éphémère du pouvoir, et c'est une critique de la vanité et de l'orgueil. Face à d'autres décors sculpturaux dans les jardins de Versailles, donc le jardin à la française, c'est la glorification du roi, c'est la puissance royale qui est montrée, c'est le mythe d'Apollon qui est repris dans le décor, et notamment ici, même si on a une référence mythologique, Andromède, c'est la France, et le sauveur Persée, c'est le roi. Donc, il y a quelque chose d'assez étrange. En réalité, ce qu'il faut en plus voir dans les jardins de Versailles, au-delà de l'aspect glorification du roi, c'est que vous avez des ouvrages qui le montrent et qui tentent de l'analyser, c'est qu'une promenade dans les jardins de Versailles, c'est un voyage initiatique avec des notions. Alors on pourrait dire qu'il y a un peu d'humilité aussi dans le choix des œuvres de Louis XIV, mais que surtout, selon le parcours, eh bien, l'œuvre est placée à un endroit stratégique. On est sur la grande perspective, on est sur l'allée centrale du jardin, donc c'est vraiment une œuvre qui est très importante pour le roi. Et ça permet de reprendre des parcours et de donner des interprétations en fonction, en tout cas, c'est possible de l'interpréter ainsi, des œuvres qu'on va rencontrer. Donc, le Milon de Crotone de Pierre Puget, c'est un artiste incontournable qui va être même appelé le Michel-Ange de la France. Donc, il y a quand même quelque chose de très fort. C'est un artiste qui va amener l'art baroque et c'était aussi un profil artistique assez atypique pour l'époque. Et je trouve que cette œuvre, elle est d'autant plus amusante et forte parce qu'il a vraiment cassé les codes avec cette œuvre-là sur beaucoup de points, comme tout ce que je viens de vous expliquer. Alors, avant de vous redonner la parole, rappel des prochains rendez-vous.
Donc, mercredi 13, on se retrouve en visio pour parler de Kupka. Ensuite, le samedi 23 octobre, on se retrouve en physique, en vrai, pour un très joli parcours au sein du quartier parisien nommé Ménilmontant. Et la prochaine surprise artistique, elle vous attend le mardi 26 octobre. Alors, j'ai arrêté l'enregistrement, normalement, je vais vérifier. Hop.